George Washington University and Georgetown University are currently funding companies that are putting their money in the Israeli Defense Forces, the same forces that are committing a genocide right now on Palestinians, and the same exact forces that killed my family in Gaza. And that is unacceptable. It weirdly feels like a dream seeing this much solidarity. I can say I've never imagined seeing this in my life. So I'm glad that people are waking up and doing everything they can to take a stand. It's really galvanizing. I think it's like the Black Lives Matter movement in 2020. It's really incredible to see students rising up, and I think we should all be inspired by the bravery of students standing up to this oppression. De la côte ouest jusqu'à la côte est américaine, allant jusqu'à Paris. Vous voyez ces images prises aujourd'hui dans toutes ces villes. Bien, c'est la mobilisation étudiante contre la guerre à Gaza, déclenchée il y a une dizaine de jours à New York. Bien, ça gagne du terrain. De nouveaux campus se joignent à ce mouvement de protestation. Et de nouvelles arrestations ont eu lieu à l'Université Yale et à celle d'Austin au Texas aujourd'hui, alors que l'Université Columbia a annoncé suspendre des étudiants prenant part au campement. On avait donné une échéance, c'est-à-dire à 14 heures cet après-midi, ils devaient quitter les lieux. Ça ne s'est pas passé, donc il y a des suspensions. Alors, jusqu'où iront les étudiants pour défendre leur cause? Dans quelle position délicate se retrouvent les institutions universitaires? Il y a même déjà des présidents et présidentes d'université qui ont dû quitter leur poste. Alors, je joins à Washington Azeb Waldegorgis, notre correspondante, qui était sur le terrain aujourd'hui. Bonsoir, Azeb. Anne-Marie. Et François Fürstenberg, historien, professeur de politique américaine à l'Université de Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, et chercheur au CERIUM. Bonsoir, François. Et juste pendant la pause, vous me dites que votre campus maintenant est en mode protestation, n'est-ce pas? On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Azeb, vous, à Washington aujourd'hui, qu'avez-vous observé? Écoutez, vous l'avez dit, hein, c'est un mouvement qui se répand. Écoutez, juste pour vous donner une idée, sur le campus de George Washington, en 24 heures, ça a presque doublé. Hein, maintenant, ils occupent non seulement le campus, mais la rue juste à côté. Et les policiers ont dû fermer la rue pour la circulation. Donc, c'est un mouvement, je pense, qui prend de l'ampleur. Ici à George Washington, les étudiants, c'était plutôt très calme. Ça a été un peu tendu la nuit dernière où ils se sont débarrassés des barricades qui avaient été placées par les policiers. Puis encore une fois, hein, ils réclament la même chose. Hein. Ils veulent un désinvestissement. Ils veulent que leur université retire le financement de certaines compagnies qui auraient des liens avec les forces de défense israéliennes. Également, ils veulent un cessez-le-feu permanent tout de suite. Ici à Washington, c'était plutôt calme. Mais à Austin, il y a environ quelques minutes, la police a littéralement mis du gaz lacrymogène sur les étudiants. Ils veulent démanteler le campement par force. Ça, c'est à l'Université du Texas. Et puis, comme vous l'avez dit, à l'Université Columbia à New York, ils ont eu un ultimatum jusqu'à 14 heures. S'ils ne respectaient pas cet ultimatum et quittaient les lieux, alors ils étaient menacés d'être suspendus, de ne pas pouvoir graduer également, peut-être dans certains cas un renvoi, également de ne plus pouvoir revenir à l'université. Mais si je me fie aux étudiants à qui j'ai discuté aujourd'hui, pour eux, c'est vraiment, ils disent, écoutez, pour nous, par rapport à ce que vivent les jeunes Palestiniens de notre âge, c'est vraiment rien. On veut avoir gain de cause, on veut vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu, on veut qu'il y ait un désinvestissement vers la Palestine. Mmh. Donc, on sent vraiment qu'ils sont déterminés. Déterminés à tel point qu'on le sait que les études universitaires, François Fürstenberg, ça coûte très cher aux États-Unis dans ces universités-là. C'est quoi? C'est des parfois jusqu'à 100 000 $ par année. Donc, on est en fin de session. On risque, dans le fond, toute sa session. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui va le nourrir davantage? Est-ce que vous croyez que c'est passager ou que ça risque d'être durable? C'est impossible à dire. Ce que je peux dire, c'est que tout a vraiment déclenché. Il y avait des protestations, bien sûr, à travers les universités, mais ce mouvement de campement a été déclenché par la décision, par la présidente de l'Université de Columbia, de faire appel à la police de New York pour arrêter les manifestants, les étudiants qui manifestaient. Et ça a créé une vague de manifestations à travers le pays, et même, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, à travers en Europe et ailleurs au monde. Donc, il faut croire qu'une main forte, une main dure, n'est pas faire appel à la police, n'est pas la meilleure façon, si moi j'étais gérant d'une université, ne serait pas la meilleure façon de calmer les choses. Mais il faut croire que pour le moment, la décision de beaucoup de directions des universités à travers le pays a été de faire appel
à la police pour tenter d'enlever et d'écraser ces manifestations. Et pourtant, dans le passé, on se rappellera les manifestations en 68 contre la guerre du Vietnam. Je vais rester un petit peu avec vous, François, parce qu'à Kent, il y avait quand même eu 4 étudiants qui avaient été tués, 9 autres blessés. Donc, est-ce qu'on a peur aux États-Unis, sur les campus, que ça dégénère? Parce qu'eux se définissent comme des mouvements pacifistes quand même. C'est ça, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de gens, de professeurs d'ailleurs, qui dénoncent faire appel à la police comme ça. Il y avait un événement très, très intéressant juste il y a un ou deux jours où l'université de George Washington, dans la ville de Washington, a fait appel à la police. La police est arrivée et ils ont dit ces manifestants ne sont pas violents, on ne va pas les arrêter. Donc ça montre la manière dont les directions des universités, les présidents sont un peu paniqués, je pense, en ce moment, et vont très vite à faire appel. Comme vous l'évoquez, c'est la première fois depuis 68 qu'on fait appel comme ça à des forces policières sur les campus américains. D'ailleurs, en 68, à Columbia, il y avait une énorme manifestation contre la guerre en Vietnam, avec d'autres éléments aussi plus locaux qui portaient sur la ville de New York. Et il y avait une occupation de nombreux bâtiments sur le campus, y compris le bâtiment principal de l'université, qui a été occupé pendant 3 semaines, même 4 semaines, avant que l'université fasse appel à la police. Donc, quelque chose qui est très marquant pour moi, en tant qu'historien et témoin de ces événements, c'est la façon dont on fait appel presque immédiatement aux forces de l'ordre externes. Et ça, c'est nouveau pour le moment. Puis en même temps, Azeb, on peut penser aux répercussions sur la politique américaine. En ajoutant ceci, au fond, c'est qu'on peut avoir des idéaux, mais qui peut croire que les universités vont cesser de financer des entreprises qui sont en lien, par exemple, avec Israël, quand le gouvernement américain lui-même et les gouvernements occidentaux, de toute façon, même le Canada, ces gouvernements-là soutiennent Israël et fournissent de l'aide. Alors, qu'entrevoyez-vous avec ces revendications qui ont très, très peu de chances de réussir? Oui, déjà, la présidente de l'Université de Columbia a déjà répondu que les étudiants n'auront pas gain de cause là-dessus. Mais les présidents des universités se trouvent aussi dans une situation délicate parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de confession juive qui disent qu'ils ont été victimes d'antisémitisme, que c'est très difficile pour eux d'aller à l'université. La direction avait proposé des cours hybrides où ils pourraient suivre les cours en ligne. Donc, ils veulent quand même aussi assurer la sécurité de beaucoup d'étudiants. Donc, il y a aussi ce défi-là, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on était au campus, on a parlé à des étudiants. Il y en avait aussi de confession juive qui disaient que eux non, c'est pas du tout une question de religion mais d'humanité, que ça n'a rien à voir avec le judaïsme, disait une étudiante, qu'en fait c'est vraiment ce qui se passe à Gaza, c'est absolument terrible. Donc il y a vraiment différents sons de cloche qu'on entend, mais ce qu'on sait c'est que pour Joe Biden c'est extrêmement difficile. Là, le dernier sondage indique qu'il est véritablement en chute libre. Écoutez, la façon dont il a géré la guerre entre Israël et le Hamas, 71% des Américains affirment qu'il l'a vraiment mal géré. Et si on regarde les moins de 35 ans, plus de 81% affirment que c'est vraiment une très mauvaise gestion. Et quand on pose la question quelle est leur opinion sur la façon dont il gère le pays en tant que président, plus de 60% affirment que c'est un véritable échec, alors que pour Donald Trump, on lui donne quand même 55%. Donc c'est sûr qu'on est à 6 mois des élections, mais quand même, si ce mouvement-là commence à prendre de l'ampleur jusqu'à l'été. Et vous l'avez dit, cet été, c'est aussi la convention démocrate à Chicago, comme en 1968. Alors, si ce mouvement prend de l'ampleur, est-ce que ça va avoir un impact aussi sur la convention démocrate au mois d'août? Il faudra surveiller ça. En plus, François, depuis 1968, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de recours aux armes à feu. Il y a comme un niveau de danger potentiel extrêmement présent. Et dans le fond, c'est de ne pas tolérer ni d'expression d'antisémitisme ni d'islamophobie. Mais dans ces groupes, par exemple aux Palestiniens, en tout cas certains de la communauté juive, disent on entend des chants « détruire Israël » et tout ça. Comment on fait la démarcation entre des pro-palestiniens qui ne sont pas antisémites mais qui veulent manifester contre la guerre? C'est très difficile et je critique là, j'ai critiqué tout à l'heure les dirigeants des universités, mais je dois avouer qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile.
il faut à la fois protéger la liberté de l'expression, la liberté de parole, même des paroles qui vont offusquer des gens, qui vont être difficiles à écouter. Il faut protéger ça. Ça, c'est une valeur fondamentale, non seulement à la société, mais notamment aux universités. En revanche, il faut également s'assurer que les gens éviter le harcèlement contre les individus, un harcèlement qui est illégal quand il s'agit de personnes d'une confession ou d'une descendance nationale. Donc, comment aller entre ces deux pôles est quelque chose de très délicat, de très difficile. Et comme le disait tout à l'heure Azad, tout le monde ne partage pas le même avis. Il y a beaucoup de juifs parmi les manifestants qui vont participer aux événements et qui vont manifester, qui vont dire aucunement je me sens menacé. Et il y a d'autres juifs qui vont dire je me sens profondément menacé, j'ai peur de traverser le campus. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que dirigeant d'université? La situation est très compliquée. Ouais. Surtout à Zeb, on verra la réponse politique des prochaines heures, ou des nouvelles déclarations de M. Biden. Mais on attendait aujourd'hui, lundi, on attendait une réponse du Hamas à une offre d'Israël que M. Blinken avait qualifiée d'extraordinaire. On verra tout à l'heure un entretien avec Georges Malbruno qui commence cette situation-là. La réponse va venir demain. Est-ce que vous croyez que s'il y a du calme, je dis en guillemets, de ce côté-là, en Israël, avec la masse libération d'otages, ça pourrait calmer la situation? Certainement, si ils s'entendent sur un cessez-le-feu permanent. Hein, les étudiants insistent là-dessus. La libération des otages et de prisonniers palestiniens. Ils surveillent ce qui se passe. Ils nous disaient, écoutez, on veut que les peuples soient égaux. Il y a vraiment, ils disent, il y a une jeune étudiante qui me disait, écoutez, ici, j'espère que vraiment la communauté qu'on a ici, parce que c'est des gens de différentes confessions, qu'on arrive à recréer ça dans le monde. Elle disait qu'elle avait ce rêve, que franchement, il y a eu de l'entraide et qu'il y a vraiment, elle sent vraiment qu'il y a une communauté intéressante sur ces campus. Il y a une espèce de solidarité là, qui s'est forgée, qu'elle espère que ça pourrait être créé en Israël et partout dans le monde, si vous voulez. Donc, il y a aussi ce rêve hein, d'un monde meilleur. Mais pour le moment, c'est vraiment chacun est cantonné dans sa position. Ils veulent vraiment avoir un gain de cause sur toutes leurs demandes, incluant le désinvestissement sur les compagnies. Donc, pour le moment, ça reste quand même... On a l'impression d'être quand même dans une impasse. Là. Une impasse, puis à chaque université, à ses porte-parole. Écoutez, c'est une affaire à suivre de très près au cours des prochaines heures. François Festenberg, merci beaucoup. On s'en parle, c'est certain. Azeb, bien sûr, merci. Bonne merci. Soirée. Il n'y a pas eu de message antisémite. Nous, on a une règle très, très stricte sur l'antisémitisme. On n'est pas antisémite. Les gens ici sont pacifistes, sont là pour occuper, pour dénoncer la vraie violence. Il faut agir dans les façons que nous avons et comme membre d'une institution, on veut que l'institution reflète nos valeurs. Ceci est le dernier avertissement, à moins que vous ne respectiez immédiatement les instructions que nous vous avons données précédemment. Nous allons maintenant envisager d'autres options pour nous assurer que nos instructions sont suivies, y compris la demande d'aide auprès de la police. C'est le dernier avertissement. Dernier avertissement donné cet après-midi sur le campement de McGill. Si vous ne partez pas, on va appeler la police. Pour l'instant, ça ne bouge pas. On n'a pas d'information que la police a été appelée. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que ce mouvement étudiant contre la guerre dans la bande de Gaza s'étend un peu partout au pays. Alors, il y a des campements pro-palestiniens, entre autres, qui sont installés dans diverses universités. Puis on pense à McGill, au cœur du centre-ville de Montréal. Alors, l'université juge que le campement viole les politiques de l'établissement, mais aussi la loi. Donc, on verra le résultat de cette injonction demain qui vise le démantèlement de ce campement. Mon invité, Julius Gray, avocat spécialisé dans les défenses des libertés individuelles. Bonsoir, Julius Gray. Bonsoir. Merci. Alors, vous êtes un grand défenseur des libertés. Vous avez... Les universités, c'est des lieux iconiques, importants pour exprimer cette liberté d'expression, cette liberté de manifester, mais avec quelles limites? Mais moi, je le crois toujours. Je suis toujours fier d'avoir participé comme président de l'association à McGill dans les manifestations contre la guerre au Vietnam. Je pense que nous avons changé des choses. Et il y a des limites. Certainement, personne n'a droit à un campement permanent. Mais par contre,
Les deux côtés, d'ailleurs, ont le droit de s'exprimer librement. Et un campus n'est pas seulement un endroit pour l'enseignement, c'est également un endroit pour débat, pour un endroit où les gens vivent et ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Oui. En même temps, ce qui semble s'opposer, en tout cas de la part de certains étudiants appartenant à la communauté des Juifs qui se sentent menacés, qu'on appelle à la destruction d'Israël, qu'on veut on veut agir dans ce sens-là, puis qu'on a des revendications importantes aussi. Il y a peut-être eu des gens qui ont dit des choses extrêmes de part et d'autre, parce que j'ai entendu des choses terribles du côté des anti-manifestants aussi sur la colonisation, etc. Mais je pense que le mouvement n'est pas antisémite et je pense qu'il faut, une fois pour toutes, établir que l'opposition à l'État d'Israël, au sionisme et certainement à la guerre à Gaza n'est pas antisémite. Comme, par exemple, la défense d'Israël n'est pas nécessairement anti-arabe, anti-islamique. C'est des positions que les gens ont le droit de prendre. Mais cette idée que l'opposition à Israël est nécessairement antisémite empêche la discussion libre, non seulement sur le campus, mais dans la société. Donc, vous êtes d'accord qu'on peut, au fond, ce que vous dites, c'est qu'on peut être pro-palestinien pour le peuple palestinien en espérant éventuellement deux États vivant côte à côte. Et ça ne veut pas dire, si on est pro-palestinien, qu'on est antisémite. Parce que pour plusieurs, être pro-palestinien, c'est comme c'est être pro-Hamas, donc pro-terroriste. Pas du tout. Il n'y a pas de lien. Et même si on est pour un seul État, on n'est pas nécessairement antisémite. Je pense qu'on est très naïf si on pense que ces gens-là peuvent être mis dans un seul État tout de suite. Mais ce n'est pas antisémite. Édouard Saïd n'était pas antisémite. Martin Buber, le professeur Rapkin à l'Université de Montréal. On peut être juif et participer dans un mouvement pro-palestinien. Alors, je pense que cela est clair. Par contre, il y a des limites. Il faut être pacifique. Il faut respecter la loi. Comme j'ai dit, un campement permanent n'est pas possible. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut réprimer un côté et que les étudiants juifs sont en danger. Je pense qu'ils ne sont pas. Je crois dans leur sincérité, mais je pense qu'ils se trompent. Que pensez-vous de cet appel à la dispersion avec une menace d'appeler la police qu'on a entendue tout à l'heure? Ça s'est fait en fin d'après-midi à McGill. Écoutez, tôt ou tard, le campement sera démantelé. Comme il a été à Montréal, vous vous souvenez, il y avait des occupants anti-globalisation. On n'a pas le droit d'occuper le campus. Je pense cependant que ça ne devrait pas avoir comporter une attitude anti-palestinienne ou anti-manifestation et qu'il faut toujours préserver le droit à manifester, parce que la manifestation est une des façons où les gens qui n'ont pas beaucoup d'influence, qui n'ont pas beaucoup d'argent, peuvent se faire entendre. Quelles sont les probabilités que la demande d'injonction demain, présentée par deux étudiants, où l'université, semble-t-il, serait partie intéressée, quelles sont donc les probabilités que cette injonction soit accordée? On demande évidemment le démantèlement. Et ensuite, même si elle est accordée, comment on l'exécute? Mais le problème, ça je ne sais pas, et je voudrais voir comment cette injonction est rédigée, parce qu'il y a une chose, l'occupation du campus, mais il y a d'autres choses. J'espère que ça n'empêchera pas les gens de dire ce qu'ils pensent et qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où les deux côtés ne peuvent plus se parler. Mmh. Et je réitère que ce que j'ai dit pour les pro-palestiniens, je le dirai pour leurs opposants aussi. Ils ont le droit de parler, ils ont le droit de dire des choses fortes et j'espère que finalement, les gens finiront par s'entendre et vont vivre bien ensemble. Mmh. Quelle est la grande différence avec la guerre au Vietnam? Parce que c'était des pacifistes, au fond, c'était contre la guerre. Là, ici, on a deux camps, au fond. On a des gens qui dénoncent l'antisémitisme et d'autres qui dénoncent l'islamophobie. Je pense que les manifestations maintenant ne sont pas nécessairement contre Israël comme tel. Les manifestations sont contre le massacre. Il y avait eu deux massacres. Il y a eu le massacre du 8 et 7 octobre, ouais, qui était terrible.
Et là, Israël avait raison d'être fâché, d'être choqué. Mais il y avait ce qui est arrivé par la suite avec 34 000 morts et les enfants et tout ça. Et je pense que les gens s'indignent pour la perte de toutes les vies. Les otages qui sont en danger, dont certains sont morts, les Palestiniens, ceux en Israël qui sont morts, c'est une tragédie. Et dans ça, ça ressemble à la guerre au Vietnam, où il y avait une perte de vie horrible qui me choquait. En tant qu'étudiant, je croyais en 68-69 que la période de guerre était révolue, qu'on ne verrait jamais 1945. Donc j'ai manifesté. Et je pense que les gens manifestent avec les mêmes bonnes intentions, alors, des part et d'autre. Oui, mais en même temps, du côté des manifestants, on entend qu'on veut mettre fin au, je dis en guillemets, parce que la Cour internationale de justice a employé le mot génocide. Que dites-vous en terminant? Je pense que, je ne sais pas si c'est un génocide ou non, je ne suis pas spécialisé en droit international, mais c'est certainement un massacre et il faut mettre fin à ça. Et si vous étiez recteur ou président? J'espère qu'il va y avoir un tel feu tout de suite. Il reste à peine 30 secondes, mais si vous étiez président d'une université, comment rassembler les étudiants pour une sorte de médiation? Je discuterais avec les deux camps, l'un en présence de l'autre. Je parlerai, je les mettrai ensemble et je mènerai une discussion paisible et sérieuse entre les deux. Alors, Julius Gray, c'était un plaisir de vous parler ce soir. On reste en contact. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.